Ah, la laine de roche de merde de chez Scoutfast. Le pot, il a même pas un mois, tu vois. En fait, c'est la laine de roche pour baraque, tu vois. Rien à faire dans l'échappement, t'as vu. Ah, c'est de la merde. Il y avait tout ça en trop déjà. Donc, du coup, alors tu m'excuses, j'en ai mis un peu partout. Donc là, tu vois, ça arrivait pas à sortir. Ah, c'est le bon gicleur principal, c'est juste que la laine de roche qu'ils mettent, c'est de la merde, donc du coup, t'as compris quoi. Du coup, je vais te montrer. Alors, moi, je vais en commander là pour la changer, tu vois. Parce que la laine de roche, ben, c'est de la merde. Tu vois. À 200 balles le pot, ça fait chier quoi. Là, c'est ça quoi. J'essaie de pas m'en foutre sur le pull parce que la grande eau, c'est la misère. Et là, je sais que les mains, je vais chialer. Donc, tu vois que c'est de la merde. Je vais te montrer comment tu le vois. Déjà, le pot, il a même pas un mois. Je roule avec depuis même pas un mois. Tu vois, ça fait plein, tu vois, tous les filaments qui remontent comme ça. Là. Elle n'est pas structurée, tu vois. Ça c'est la laine de roche d'isolation mais maison quoi en fait. Il y avait la laine céramique tu vois qu'ils avaient mise. Ben, ça a cramé la laine de roche. Donc ça, à venir. Tu vois tous les petits bouts brillants, je sais pas si tu veux bien voir. Tous les petits bouts qui sont là, j'ai déjà les mis en feu. Voilà, 200 balles de pot, c'est un poil abusé, je trouve. Enfin bref, c'est comme ça. Bon, je vais ranger tout ça. Et alors du coup, je te demande vite fait, est-ce que ça fout le bordel partout, tu vois, forcément. Alors tu m'excuses, il y a du sable partout. La vis d'air, elle a deux tours dévissée. Je suis en gicleur anti-38 et en GP, je suis sur du 115. Pour la sécurité, tu vois, je comprenais pas, elle démarrait pas le matin, en chier quoi, elle démarrait que quand il pleuvait, tu vois, ici il y a du sable à mort, donc tu vois, fort j'enlève tout ça pour tout nettoyer, tu vois, c'est ce que je veux dire, quoi. J'ai nettoyé un peu vite fait, tu vois, mais tu vois, tout le sable qu'il y a là, ça, fort je le nettoie, justement, quoi, pour que tu te rendes compte par toi-même. Tout ce que je déteste, tu vois. Donc là, là j'ai pas le temps, tu vois, mais dès qu'il y a à faire beau, là, c'est du sable partout, ça m'énerve. Genre, je démonte tout ça, tu vois. Bon, quand je nettoie, tu vois. Donc, je vais enlever les caches ici, tu vois, tout nettoyer. Et voilà quoi. Enlever tout ce sable. Donc voilà. Donc je vous montrerai ce qu'il faut mettre, je vais en commander avec la laine de roche phonique. Je vous montrerai ça.